Salut bande de gens, c'est Manticora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Neverwinter, de la découverte. Pas du tout au même endroit où je vous avais laissé. Parce qu'au fait, j'avais continué. Mais l'enregistrement a foiré. Le jeu a déconnecté, tout ça. Donc du coup, j'ai dit, bah merde, fais chier quoi. J'étais à 7 minutes de vidéo. Donc j'avais fini le donjon, la mission, tout ça. Donc. Voilà, bon, du coup on se retrouve à la mission suivante, hein. Tant pis, hein. Pas le choix de toute façon, pas le choix de toute façon. Allez, c'est parti. Je lance le chrono. Yippee-ki-yay. Vous êtes là. Oh putain, c'est une petite quête ça, 537. C'est horrible. J'étais en train de lire les registres. Attendez, mon pet il est up. Je vois où il en est. Compagnon. Gozo. Ah. Même plus important que la propreté de mes souvenirs. Oui. J'ai laissé mes notes dans le cimetière. Oh, classe! Des ou des squelettes les ont prises. Et vous voulez les chercher? I need money! Alors, sans son bras, Storotro. Rune d'attaque, niveau d'objet 7, niveau d'objet 11. Est-ce que j'ai une rune d'attaque plus intéressante? Ah, oui. C'est quoi cette merde là? Ah oui. Niveau 11, Zugé. Niveau 11. 40 neutralisation d'armure. 40 de puissance. C'est trop cul, il a quoi? 20 en puissance. 40 en rétablissement. Bon, toi tu vas dégager. Détruire la rune. Du coup, le 40 en puissance. Voilà. Ah oui, j'ai un deuxième pet aussi, je vous l'avais pas dit, mais. Emplacement de défense. L'invocateur gagne 4% de caractéristiques de son compagnon. Ouais, bon, on s'en branle. Voilà. De toute façon, lui, je l'utilise quasiment jamais. Acolyte. Voilà. Bah allez, c'est parti. On va faire une petite quéquette. Ouais, ta sœur, c'est une prime, c'est le bâtard. C'est quoi ta prime? Les sauts nécromanciens, ouais, logique. Échoppe, donc j'en ai 0. Ouais, ils vont de la merde, quoi. Alors, qu'est-ce qui me sert à rien que je peux vendre, par contre, parce que... Eh merde, putain! Chier, ça! On verra après. Ça, on s'en fout. Désolé de faire ça, mais faut que je vide l'inventaire avant de continuer à... Enfin, voilà, quoi. Bon, ça... Défense, régénération... Ça, j'ai gardé, quand même, c'est utile. Hein. Ah ouais, non, mais... Ah, putain, j'aimerais bien les jeter 70, mais c'est tellement utile. La petite dague, 69, à dégager. Pff, ça, j'en fais jamais, à dégager. Ça, c'est nul. Voilà, bon, bref. Alors... Nous devons mettre un terme à ce qui se passe. Merci. Oui, mon XP, voilà, merci. Communication du fils de culte. C'est quoi ça encore? Vaincre Chartarix. Ah, un donjon. Un petit donjon. Bon, on va faire le digi, hein. Y a pas à chier, hein. Toi, je le connais pas en plus. Alors, Mr. Dungeon. Ah, vous voyez, ils étaient niveau 70, les deux mecs qui étaient avec moi la dernière fois. bah, il est où ce truc là avec le. Bon, bah, on va aller à destination. Sauf que j'ai oublié de prendre une quête commanditaire. Dégage-toi, connard. Vous ai-je dit que je. Qui m'a embauché, je veux dire, qui m'a demandé de m'aider à trouver sa lignée, de peur que des rumeurs. Non, par contre, tu vas mettre ma vraie quête. Malheureusement, il semble que Chartarix soit si déterminé. Oh, niveau 32, c'est pile de mon niveau. Qu'elles ont modifié les dates de naissance et de mort sur plusieurs pierres tombales afin de discréditer sa noble extraction. On s'en fout de ce que tu dis, c'est pas intéressant, c'est le bâtard. Vous semblez être une personne capable et en train de certaines de ces pierres tombales.
Bah, les pierres tombales, on les encule. Oui, mais c'était des méchants. Ah, un bouclier. Ouais, non, on peut pas interagir avec. Ah, tu te fais chier, mec, hein. Ah, t'as du mal, hein. Tu veux que je t'aide, peut-être. Boom, bitch. Comment je t'ai volé ton kill, connard. Bon, j'espère que c'est un donjon, hein. Parce que... si c'est un dragon à vaincre, logiquement c'est une escarmouche. Ah, ça me plaît que ce soit un dragon. Je pense qu'il sera plus simple que celui qu'on a vaincu dans le dans la vidéo précédente. Étant donné que c'est une petite quéquette de rien du tout. Bon bah oui, hein, si tu veux le tuer tout seul, hein. D'accord, pas de soucis. Je te laisse faire. Hein. C'est vrai que c'est un donjon quand même, parce que la quête est bleue en mode répétable, ça veut dire, mais... c'est bizarre. Ah merde, des enculés! Il y a de l'orage dans l'air, fiston. T'as vivement Destiny. Il est censé sortir aujourd'hui ou demain. J'espère vraiment qu'il va sortir aujourd'hui. Ce serait tellement frais. Le Destiny 2 là. Mais pas le Destiny Child. Bref, c'était une blague de merde. Comme ma bite. Jambière punitive. Allez hop. Ça c'est le truc qui sert à rien. On s'en fout. Eux, on s'en fout de leur gueule, ces connards. Massacre! Comment je les ai tous défoncés, ces bâtards. Alors, Kshaktataris, où es-tu, fils de pute? Mais il y a du monde, là. Bon. Ah, fils de pute là! Pas bien ça! Connard! Ouais, masque de parade, super. Esprit du marchand. On peut rien faire là? Initié, tu. Allez, initié de mes couilles, casse-toi, sale bâtard. Document du fils de culte. Il est venu à la bande de tapette. Il est dégagé. Document du fils de culte. Ça, on s'en fout. Bon, on va faire la petite quéquette, hein, avant d'aller affronter le dragon de mes couilles. Là. Oh, tout ce qui me drop. Mais c'est pas ma classe! Ah ok, ta gueule, j'ai rien dit. Saut de nécromancien. Ah oui, ils m'ont rien donné, eux. Toujours plus. Ouais, à l'attaque. Donne-moi mon saut. Non, vous voulez pas me donner mon saut de nécromancien? Boom, bitch!
Nice. Je sais pas ce que c'est, mais... Élixir, on s'en fout. Bon, non, toujours... Ils veulent pas me donner les sauts qui me manquent, hein. C'est évident, pas ça. Hein. Elle venait avec Tyrann, mes couilles, là. BOUM! Bon. Ça, toi viens là. Voilà, donc on du culte. Oh merde toi, connard. Quitte des arcanismes. Ah bah c'est bien, j'ai obligé de m'identifier. Élixir de réflexe, on s'en fout. Document du culte, j'en ai 4 sur 5. Hey, Doritos! J'ai tout raté. Et à dégager. Amulette de restauration. Ça c'est bien ça. Puis on s'en fout. Ah voilà. Le fils de culte est terminé. Je pourrais faire ma grosse kikette. Bon ils vont me faire chier. Rencontrer 10 participants. Ah, vraiment? Il y a du monde quand même. Ouais, mais... je vais me faire laminer, là, si je fais ça. Défendre le temple. C'est celui-là? Non, mais là, je pourrais jamais faire ça tout seul. Je suis un génie, j'essaye ou... Parce que là, concrètement... Ouais, j'essaye, j'en bats les couilles. Moi, je suis des balls, mon gars. Le problème, c'est que chez les Schlechtis, là, je sais pas où il est. Le Schlechtis d'hiver. Drake l'assassin. Bon, pour l'instant, solo, ça a l'air faisable. Bon, j'ai pas encore vu le méchant, hein, celui en passant. Ils sont vénères les archers là. Putain, je vais remplir mon inventaire avant de... Bon, j'tis là, t'apparais ou t'attends le dégel? Ah! Qu'est-ce qu'ils prend là?
faut le faire soi-même, donc. Oh putain, c'est un objet bleu. Chier. Bon, faut clean toutes ces... faut tuer tous ces bâtards ou quoi, là? Putain, ils ont des armes buffées, ces bâtards. Là. Ouais, c'est bon, j'ai tous ces enfoirés, là. Il apparaît, les dragons, maintenant. Non? Bah merde, faut faire quoi, alors, putain? Chartis reviendra. 8 minutes. Bah, j'ai pas attendu 8 minutes, hein. Ils sont baisés, là. Ouais, bah, va te faire foutre. Pour cette quête de merde, là. Attends, 8 minutes, c'est vachement long à attendre 8 minutes. Je suis désolé, mais. On va faire une autre quête, hein. Aider les ménestrels. Aider les ménestrels. Moi. Terminer le fist de culte. Voilà. Ouais, le dragon va se faire foutre, hein. Attends. Il est bien trop loin. Bon, allez, vous me cassez les couilles jusqu'au bout. Il est beaucoup trop loin, ce putain. Il est beaucoup trop loin à venir, ce putain de dragon. Là. Les 8 minutes, je les attendrai, mais offline, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Ah putain, mais tu le touches, toi! Putain, casse-toi, là! Sale bâtard, là! Putain, l'autre qui se tépait dans le vide, quoi. Comment on monte, là, maintenant, putain? C'est quoi ça? Exploration. Tiens, fils de pute. Je comprends pas qu'il va être ça en qu'il va être passé en instance le coup du dragon là. On peut pas la choisir, c'est complètement con en fait. Parce qu'à plusieurs on l'aurait fait. J'aurais bien aimé le faire le dragon là, mais. Beaucoup trop long à attendre. Allez, donne la quiquette. Donne la papette. Donne la papette. Toi, mon XP, toi, ce bâtard. 500, 3. Ouais, super, l'XP de merde que je gagne. C'est magnifique. Fils de culte. Les cultistes réveillent tous les esprits qui pourraient leur indiquer l'emplacement de la tombe. Messandar était hautement respecté. Kelemvor, merci d'être venu. La quantité de morts vivants dans le cible. 1800 et quelques, ça c'est bon ça. Vous cherchez l'aide, j'ai si peur pour Séverin. Nous avons. Séverin. Je suis Séverin. OMG quoi. La faille de l'invocateur. On va réécrire l'histoire sur la vérité. Y a pas ici. Toi t'as l'air vénère toi. Je te défoncerai plus tard.
On va continuer sur les kickettes. C'est à qui ce connard? Chut, parlez plus bas. Dans ce cimetière, des individus peu scrupuleux cherchent et pillent les héritages de familles de grande valeur. Vous et moi sommes des... C'est sûrement les quêtes de classe, ça, je pense. Gorim Tomb Raider. Collecter les décalques de tombes, de la tombe de ta famille, ma bite et puis. Corriger la pierre tombale. Les gars de Neverwinter. Ok. Prenez ce papier et ce fusain. Trouvez les tombes des membres de la famille Lucanis. Elles sont éparpillées un peu partout. Décalquez-les et rapportez-les ici, d'accord? Ouais. T'as un peu une quête qui sert à rien, quoi. Petit Philippe. Arme de tapette. Allez, dégagez. Une allumette cruette. Cruelle. Ah, clé d'exploration. 75% en général, ça rate. Ok, ta gueule. Ça, ouais, j'ai un kit arcaniste après tout. Ouais, mais c'est bien, putain. D'habitude, ça rate tout le temps. Là, ça rate pas. Parce que je suis blanc, ça, c'est pour ça. Ils ont pas voulu être racistes avec moi. Alors, il y a des petits salopards à niquer. Sans branle, ils m'ont pas vu. Ah, j'ai rien dit. Dégage. BOOM! Le mastodonte, bonheur! Crève, charogne. Oh non! C'est quoi ça? C'est trop cool! Il a le tir de liche-moi le cul! Ouais, si tu veux. Phylactère de liche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mon inventaire. Oh putain, mon inventaire va être plein. Étrange, sombre jour répond à sombre énergie en le touchant. Il veut murmurer. Ah! Bah évidemment, j'accepte la quête, c'est le bâtard. Faut que j'arrête de prendre des trucs, j'ai presque. Mon inventaire est presque plein. Allez, dégagez. Ouais, je sais, j'ai fait la pute. Objectif accompli. Ah, vraiment. Ça, on s'en fout. Hop. J'aime me promener dans les cimetières et faire de la nécrophilie. Ah non, cruel encore. C'est la cruauté de la troupe de Gozaru. Kit des religions, ouais. Ah, bien, putain, mais. J'ai de la chatte là, c'est nice. C'est bouigné. Encore réécrire une pierre tombale. Est-ce que c'est la nécrophilie incarnée ici okay. Là, c'est la truc de Gogol. Là, il dégénère et clic! Ah, je n'en touche qu'un, quoi! Non, mais OMG, quoi! Ah merde, on terre plein! Putain!
faut que je débarrasse des trucs qui me servent à rien. Ah ouais. Nani. Ouais, mais c'est de la merde. Ça dégage. Ça dégage. Ça utiliser parce que c'est de la merde. Ouais, je préfère le stuff, je préfère le prendre. Hein. Ça peut être toujours utile. BOM! Bitch! Dernière tombe à corriger, logiquement. Voilà! Et harmonie cruelle, la mer un peu lourde. Et la chier par terre, la li la la lou. Pardon. Je suis un peu bourré parce que j'ai... Oh! Hashtag Starix, moi! Il y avait hashtag Starix, moi! Et ils l'ont déjà battu. J'aurais vraiment dû attendre. Ouais, j'aurais vraiment dû attendre. Putain, ils l'ont défoncé. Hop, désolé, je ne fais que pas. C'est bande de connards. Mais il y a ma grosse tombe. C'est qui, Zary Fox? Non, ça ne va pas du tout. On s'en branle. Je vais rendre ma kikite. Cet endroit me fit. C'était du rapide. Terminons le travail, les fichiers. Alors, genou. Éradication. Pénétration. Éjaculation. Bon, il me faut une échoppe, il me faut un mec qui me vend des trucs. Maintenant, il est temps pour vous de nous montrer ce que vous faites. Ça, c'est de la merde. Putain, c'est vraiment de la merde, les finishes, par contre. Hein. Ça, ça n'est pas de dégâts. Je vous le marque sur la carte. Déterrez-le et rapportez-le-moi, d'accord? Voix de l'épée. Ça a 1400 de base. Ah mais c'est pas une TP ça. Leur canaille c'est de la merde. On va augmenter ça. Hein. Comment ça met rien du tout? Oh OMG quoi. On toujours le critique. Dab. Ah. Confirmation. Il faut un vendeur là parce que. Ouais, je vais aller rendre d'autres quêtes. Je vais aller rendre d'autres quêtes. Histoire d'avoir une petite échoppe pour vendre mon stuff parce que sinon. Enfin voilà quoi. On va se retrouver à court de stuff. Enfin, pour avoir plus place dans l'inventaire. Donc ce sera un peu con de pas pouvoir ramasser. Des bons objets. Nend. Ok. Il y a un point ici, je peux pas y aller. Enfin, il n'apparaît pas. À moins que ce soit en dessous. Ouais, bah, on verra plus tard. Je vais rendre les kékettes d'abord. Les petites kékettes. C'est mon saumon fumé. Ça, c'est un autre lieu. On va rendre la quête à Rétrigal mes couilles. Hein. Je compte terminer ma tâche ici, à Neverdens. Les morts-vivants sont horribles, mais incapables de franchir une barrière. Ouais, c'est comme ta voix. T'es horrible, toi. T'as vraiment une bonne merde, cette bâtard. Il me faut être certain que l'un de ces monstres ne vienne pas m'écraser. Je me sentis... Vous ai-je dit que je... Ce sont d'excellents... Merci pour l'XP, fils de chleu. Ces rectifications, plus rien ne sont... Allez, donne-moi... Voilà. Narisseux. Cherchez tout ce trésor Neverdes. Ce pack contient un morceau d'équipement non identifié recherché. Ouais, c'est de la merde, quoi.
Ouais, on va prendre celui-là. D'abord, on va vendre des trucs inutiles. Comme cette merde. Ça. Ah ouais. C'est plus HL. Je vais d'abord regarder ce que j'ai en équipement. Et puis après, on verra le... 78, non, ça c'est de la merde, ça peut dégager. 74 en rétablissement, 80, bon, on s'en fout. Ça identify. Spotify. Gourson. Ah, c'est mieux. Équipé. Pour ceux qui combattront les nécromanciens et les morts vivants. Ah ouais. Ah ouais. Alors, déjà la bague. 75, emplacement azur, enchantement azur, emplacement d'attaque. 70 frappes critiques, 73 neutralisation d'armure, 73 frappes qui trigue, 22 en mouvement. Là, il y a moins de frappes critiques, mais il y a neutralisation d'armure. Donc attends déjà. Là, 87 de défense, on s'en fout. Il n'y a pas de truc en plus. 87 d'endurance, on s'en fout. 87 frappes critiques, ça me fait perdre. Enfin, il nique sa mère. Il est mieux de toute façon, plus de frappes critiques. Contrairement à celui-là qui a 70. Attends, je vais le déséquiper. Désenchanté. Voilà. Comme ça, tu sers plus à rien. Voilà, comme ça, t'as plus de frappe critique, t'as que 24 en frappe critique, tu sers plus à rien du coup. Dur. Une prime pour ceux qui combattront les nécromanciens et les morts vivants. Non, il y a des trois stations d'armure que j'ai plus, je m'en branle. Taille, quest. 70 rétablissement. Oui. Le coup Libali. Alors, 93 de base. Alors la 93. 39 de défense, ouais, on s'en fout. 93 étendu. 81, ok, tu sers à rien. La tête. 96. Ouais, on s'en branle. Bon, j'ai déjà tout identifié. Désolé, ça prend un peu de temps, mais je m'en carre concrètement. 93. Mais c'est bouini ça! On verra après. On va continuer d'identifier les trucs non identifiés. 96. Ah, bien. Identified. Voilà. Du coup, maintenant. On va pouvoir faire des trucs marrants. Yeah. Ah. Ah. Connard. C'est la cruauté de la guilloche. Voilà. Du coup, tu vas me filer mon truc. Voilà. On va faire une petite kikette. Vite fait. Et après, on va s'arrêter là. On s'arrêtera là pour la petite découverte. Harmonie cruelle. Lila lila lou la 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 lila lila lou. Bon, la vidéo fera un peu plus de 40 minutes du coup. Ce qui reste que 2 minutes sur mon compteur, mais comme j'ai perdu un peu de temps à faire de la merde. Du coup on va aller faire la kikette. Et puis puis après la quête on s'arrêtera là. Prochaine grosse épopée que je ferai, ce sera avec Rinnon.
On fera une épopée en coopération sur Resident Evil 6. Voilà, on fera un petit Resident Evil 6 avec Rinan. Si vous voulez voir qui c'est, vous allez sur sa chaîne Hardcore Gaming. Et puis voilà. De toute façon, voilà. C'est pas moi de faire la promo de sa chaîne, hein. Comme c'est pas lui non plus de faire la promo de la mienne. Mais bon. Je vous préviens juste qu'il y aura une épopée en coopération avec lui. Voilà. Robuste, main. Encore un mastodonte. Allez, à dégager. Arnaud de parade. Ouais, c'est Arnaud. Arnaud de parade. Ah. Salut les cupcakes. À dégager les cupcakes. J'en étais sûr qu'il y avait des connards qui allaient arriver. Allez, au plus, au plus. Oh le bug. OMG quoi. C'est bon, c'est fini. On peut partir s'il vous plaît. Non, ça c'était un clin d'œil à la tour de Montparnasse infernale. Bon, les 40 minutes sont passées, hein, mais comme je disais, on va pousser un petit peu plus loin histoire de finir la quête. Faut aller au second phylactère. Parce qu'après, je file Tanis. On va aller parler au bout de Jarryland là. Et voilà. Partez maintenant. Ils ont senti votre trahison et vous ont attaqué. Ça ne me surprend pas. Ouais, ta mère a senti la trahison, c'est le bâtard. Ne doivent pas être... Harmonie cruelle, car la mère Apollo, la la li la la lo. Oh putain, il y a plein d'anorexiques là. On dit juste tu es des anorexiques. Mais je ne suis pas un anorexique, je suis un squelette. Ah, un nécrophile. Tiens, dégage. Non, non, non. Il n'y a pas de connard? Non. Il n'y a pas de Billy qui... Des copains! Des cupcakes! Salut les copains! Hé, hey, comment il est fait pour avoir un poney cet enculé là? Moi j'ai un scarabée, lui il a un poney quoi. Tiens, dégage toi, c'est le bâtard. Ah, faut monter en haut. Bon, en même temps, on va pas monter en bas en même temps. Je chante comme une casserole. Bref, on va rendre la quête et on s'arrêtera ici pour la petite découverte de Neverwinter. J'espère que ça vous aura plu. Parce que moi, ça m'a fait zizir. Mais ça, c'est une autre histoire. Très grand foiré. Bon, allons rendre cette foutue quête. Bon, l'épopée, je pense qu'on commencera à la faire avec... avec Rinan, on commencera à la faire le 16 septembre. Dans la logique, si lui, il est disponible. On verra bien. Enfin, vous verrez, quand ça sera sur la chaîne, ça sera sur la chaîne, puis c'est tout. Je pense que Neverwinter sera mis avant.
pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Voilà, on a rendu la quéquette. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut les minas.